Nous sommes heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous voulions vous faire un petit bilan de la Zambie. On va commencer par l'argent. Oui, on a eu beaucoup de déconvenues avec les cartes bancaires. En fait, souvent les DAB ne fonctionnent pas, ou alors les cartes ne sont pas acceptées. Voilà. Oui, en fait, c'est souvent la carte Visa qui est acceptée et pas la carte Mastercard. Et nous, on a des deux cartes Mastercard. Donc, on a été vraiment très ennuyés par rapport à ça. Donc, il a fallu beaucoup batailler pour avoir du cash. Pourquoi ? Parce que dans ce pays, on paye quasiment tout en cash. Que ce soit le carburant, la nourriture, les campings. La nourriture dans les supermarchés. La nourriture dans les supermarchés, on arrivait à faire fonctionner la carte bancaire quand ça voulait bien. On n'y allait pas très souvent parce qu'on achetait beaucoup en bord de route. Voilà. Donc il faut énormément de cash et puis ils veulent, comme dans l'Afrique australe en général, beaucoup de dollars. Donc s'il y a du dollar, tout va bien. Autrement, il faut de la monnaie locale. Bien sûr, qui est le kwacha. Non, le shilling. Non, le shilling c'est en Tanzanie. En Zambie, c'est le kwacha. On finit par se mélanger. On finit effectivement par mélanger les monnaies. Non, mais c'est marrant. On finit par mélanger les monnaies à force de changer de pays. Les approvisionnements se sont faits en bord de route pour le frais, pour les fruits, les légumes en règle générale. On n'est pas convaincu d'avoir toujours mangé de la qualité. Pourquoi ? Parce que on s'est rendu compte ici qu'ils sont inondés par Monsanto et les filiales Monsanto, Syngenta. Et filiales Syngenta ici en Afrique. Oui. Ils ne s'en cachent pas d'ailleurs, puisque vous l'avez vu sur les images, bord de route, ils font énormément de publicité pour leurs affaires de graines et de pesticides. Dans les appros, il y a eu aussi l'appro en carburant, pas toujours facile en Zambie. On trouve des stations-service, c'est vrai, mais elles ne sont pas toujours approvisionnées. Donc il faut être très prudent. Dès qu'on trouve une station-service, il faut refiler parce qu'on n'est pas sûr de trouver ce qu'on veut dans la ville suivante. Voilà, le petit bilan. Petit bilan sommaire. Voilà, on ne voulait pas vous embêter. On ne voulait pas surtout faire un bilan exhaustif. Vous poserez des questions dans les commentaires si vous en avez. On se fera un plaisir d'y répondre. Mais là, bon, on voulait que ça reste un petit bilan général sur les points, je dirais, essentiels. Voilà, on ne rentre pas dans les détails. Juste, comme on se le disait, la Zambie ne sera pas au top 5 des pays d'Afrique. Pour l'instant, c'est le dernier pays que nous avons aimé. La Namibie reste le must. Le number one pour l'instant. Le number one. Indéclassable. Et voilà, la Zambie, pour toutes les raisons dont on vous a invoqué, à part après la population très très gentille, il n'y a aucun souci. Mais pour tout ce que l'on vient de vous dire avant, ça ne sera pas dans le numéro 1, dans le top. Bon, aujourd'hui, on se réveille de bonne heure. Il est 5 heures. On va voir les chimpanzés là aujourd'hui. Donc c'est. J'espère qu'on va les voir. Oui, enfin, on est parti pour les voir en tout cas. Donc c'est départ à 6 heures du lac en bateau. 2 heures de bateau. Après une marche, alors plus ou moins longue selon comment on voit les chimpanzés. Prévu 2 heures. 2 heures, ouais. Ouais, de navigation. Ouais. Et donc, on navigue jusqu'au parc dont on vous donnera le nom, parce que je m'en souviens plus. C'est un parc national qui est réputé pour ses chimpanzés. Et donc, on espère bien voir des chimpanzés aujourd'hui. On a nos deux pilotes là. Ils sont là. Voilà. Et puis, nos compères qui sont là aussi.
Bon, il est 8h30, on mange le taboulé. Ouais. Parce qu'on ne peut pas prendre de tout ce qui est salade, viande, les fruits, on ne peut pas les prendre avec nous. On n'a que les cacahuètes qu'on peut emporter, de l'eau, des sodas. Voilà. Donc il est 8h30 et comme on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va manger, ben on mange la salade maintenant, le taboulé. Bon, nous voilà partis pour la visite du parc et la rencontre avec les chimpanzés. Après les explications des règles de base à respecter, on nous a distribué des masques aussi, parce que savoir que les chimpanzés attrapent les mêmes maladies que nous en fait. Hein. Voilà. Et ils nous ont expliqué aussi les règles et comportements à avoir en cas de contact, pas de contact, mais de proximité avec les chimpanzés. Alors déjà, pas de regard fixe avec les chimpanzés, parce qu'ils prennent ça pour une agression. Et s'ils chargent, il faut absolument trouver un arbre, le premier arbre qu'on trouve, et faire des bisous à l'arbre. En fait, tenir l'arbre comme ça, c'est un moyen de se protéger. À partir du moment où on est collé à l'arbre, ils ne viennent pas attaquer, en fait. Hein, donc voilà. Et s'ils passent à côté de nous, il ne faut surtout pas bouger. Rester placide, de telle manière que on n'est pas sur leur trajectoire, donc il n'y a pas de problème à partir de ce moment-là. Bon, ça y est, nous sommes partis pour la rencontre avec les chimpanzés. On est dans une forêt qui est magnifique. Je ne sais pas si ça va rendre sur la vidéo. Donc on est autorisé juste à voir les chimpanzés une heure, c'est limité parce qu'ici la population de chimpanzés s'étend à peu près une centaine d'individus. Donc en fait il y a trois groupes, trois communautés de chimpanzés. Il y a deux petites communautés d'à peu près 25 individus que l'on ne peut pas approcher parce qu'ils sont extrêmement sauvages. Et il y a une communauté, celle qu'on devrait rencontrer, d'une cinquantaine d'individus, donc c'est une grosse communauté. Celle-ci, normalement, on peut l'approcher. Hein. Ils sont un petit peu habitués à l'humain, donc c'est normalement celle-ci qu'on va rencontrer. Le parc, c'est un tout petit parc. Il s'étend sur 35 km de long, sur 3 km et demi de large. Et il devrait être étendu au domaine maritime, puisqu'il borde le grand lac dont je vous mettrai le nom en haut du bandeau. Donc là, je suis parti seul avec le guide. On a laissé le reste du groupe à la Fishing Station. Il m'a autorisé à venir avec lui parce que il fait une pré-recherche pour pouvoir localiser les chimpanzés. Et ensuite, il vient rechercher les personnes, hein, le petit groupe, les groupes, pour les amener sur la zone. Bon, pour l'instant, on ne voit rien, mais la forêt est magnifique. It's very nice. Bon, pour l'instant, on n'a pas trouvé de chimpanzés. Par contre, on avait un groupe de baboons, c'est derrière nous. Bon, nous faisons demi-tour. Les chimpanzés, les baboons nous barrent un petit peu la route. Une petite communauté. Le coin est vraiment fabuleux. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi. Voilà, il y a un petit ruisseau ici en contrebas. Là. C'est vraiment magnifique. On est une forêt qui est très dense. Hein. Voilà, c'est une canopée en fait. Hein. Il y a beaucoup d'arbres à fruits. Et il y a des fruits de mango en l'occurrence, mango fruit sauvage ici. Le chimpanzé aime beaucoup le mango fruit. Il y a aussi le Tarzan tree. Vous avez monté le Tarzan tree là, l'arbre de Tarzan en fait. Hein. Ça fait, on en voit derrière nous. Hein. Ça fait comme des lianes en fait, qui pendent juste au sol. Je suis toujours seul avec notre guide et il me dit qu'il faut attendre ici. Peut-être qu'ils vont venir. Un autre guide a localisé les chimpanzés. Donc nous partons vite pour les voir. Ils sont un petit peu éloignés, ils sont à peu près à 200 mètres de ce point. Donc on file avec le guide là pour voir si on les trouve et s'ils sont toujours sur place. Allez. Alors nous venons de trouver les chimpanzés. Il y a une femelle avec son petit. Là elle est en train de manger des fruits. Alors on ne sait pas combien de temps ça va durer.
On a trouvé une chimpanzée qui décide de enfin de descendre de l'arbre. Mais bon, c'est pas gagné. Hein. Voilà, elle est tout près. Elle est à une dizaine, à peine une dizaine de mètres de nous. Véro filme. Voilà. Je sais pas si on va la voir. Elle est juste là au-dessus de nous. Ici. Voilà. Donc on espère qu'elle va descendre. Elle descend. Voilà. Hop, je ne sais pas si vous la voyez là. Alors le parc Gombe Stream, dans lequel nous sommes allés voir les chimpanzés, il faut savoir que ce parc abrite aussi d'autres espèces de singes, dont le singe bleu, le babouin bien sûr, et puis le vervette, et encore bien d'autres. On ne donnera pas une liste exhaustive. Non, on ne les a pas vus, on a juste vu le babouin. Voilà. Et l'autre, on ne les a pas vus. Voilà. Donc après le parc, nous nous sommes dirigés vers le cratère du Ngorongoro qui se trouve au nord-est de la Tanzanie, oui. Après plusieurs centaines et même centaines de kilomètres. Presque milliers, même milliers, oui. Oui, de kilomètres, parce qu'on a fait une transversale, on était dans le sud-ouest, près du lac Tanganyika, et nous avons fait une diagonale pour aller au nord-est, retrouver le cratère du Ngorongoro. Donc, cratère du Ngorongoro, qui fait en profondeur 605 mètres de profondeur. 610 mètres de profondeur. La caldeira s'élève à 610 mètres. La caldeira. En superficie, 325 km². Et 21 km de diamètre. Voilà. Donc, c'est la plus grande caldeira au monde qui existe. Hein. Et elle s'est formée il y a à peu près 2 millions d'années. Voilà. Et bien sûr, à l'intérieur, on retrouve une faune extraordinaire dont vous allez voir les images à la suite de ça. On vous dit à la semaine prochaine en espérant que cette vidéo vous a plu. Porte-toi bien, abonne-toi, mets des pouces, fais des commentaires. Bye bye. Ciao, à la semaine prochaine.